Donc le composteur électromécanique, donc c'est une cuve de fermentation dans laquelle on ajoute chaque jour les biodéchets. Donc dans cette cuve, on peut mettre tout type de biodéchets et puis on ajoute donc le broyat de bois pour venir carboner le mélange et texturer et faciliter l'oxygénisation. Donc le compost naturel, donc c'est une matière déjà renouvelable issue de la dégradation des déchets organiques qui sont produits dans les villes. Donc d'abord, il y a un sens logique à collecter ces déchets qui peuvent produire de la matière nourricière, de la ressource pour les sols, et qui est donc renouvelable puisqu'on produit des déchets alimentaires constamment. Donc c'est-à-dire que cette matière peut venir durablement nourrir le sol et ne fait pas un effet booster vitamine C, mais plutôt vraiment un traitement de fond. Donc c'est vraiment une approche beaucoup plus long-termiste qui vise à créer des sols sains, qui sont résilients et qui vont apporter ce dont la plante a besoin, plutôt que d'en faire des éponges sur lesquelles on vient déverser des quantités hyper denses et d'azote par exemple, qui ensuite peuvent créer l'eutrophisation, des pollutions dans les cours d'eau. Alors que le compost, lui, il est plus organique et plus durable. Et donc c'est une approche beaucoup plus soutenable de l'agronomie et de l'agriculture que l'utilisation de compost par rapport à des engrais chimiques.